Said you bangs to your thing, boy. Ça fait du bien de revenir. Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le week-end se passe également bien pour vous. Aujourd'hui, c'est jour de gourmandise. Et en ce jour de gourmandise, je vous propose de préparer des churros à la patate douce. Et avant de réaliser cette recette, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Pour réaliser ces churros à la patate douce pour 3 à 4 personnes, il vous faudra de la patate douce, de la farine, du sucre, des œufs, du beurre, de la cannelle, de la vanille liquide, de la muscade, du zeste de citron et de l'huile pour la friture. Au niveau des ustensiles, il vous faudra un saladier, un presse-purée, une poche à douille, une douille cannelée, une cuillère en bois, des essuie-tout, une assiette, une casserole, une écumoire, une cuillère, une râpe et un bâtonnet en bois. On a tout ce qu'il nous faut. C'est parti pour la recette. Voilà les amis, cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de la reproduire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Au niveau de la sauce pour accompagner vos churros, là, ça se marie avec beaucoup de choses. Vous pouvez prendre du Nutella, du chocolat fondu, de la confiture, du caramel beurre salé. Franchement, c'est super bon avec n'importe quelle sauce. Alors moi, personnellement, j'ai trouvé que les churros à la patate douce se mariaient vraiment parfaitement avec de la confiture de goyave. Pour réaliser vos churros à la patate douce, vous pouvez aussi faire la méthode de la pâte à choux et rajouter la patate douce. Pour réaliser vos churros à la patate douce, vous pouvez réaliser la méthode de la pâte à choux et rajouter votre patate douce, ça le fera également. J'ai rajouté du sucre dans ma recette parce que j'ai trouvé que les patates douces n'étaient pas très sucrées. Donc si vous tombez sur des patates douces qui sont assez sucrées ou si vous-même vous n'avez pas forcément envie de rajouter du sucre, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à la partager, mettez-moi un commentaire, ça me fera hyper plaisir de savoir ce que vous avez pensé de la recette. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et n'oubliez pas, la gourmandise est un vilain défaut ou pas. Bye bye.